Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc que je trouve absolument génial, que j'ai découvert quand j'étais en Allemagne pour mes études, puisque j'ai passé un an pour mon master d'architecture en Allemagne à Cologne. Et voilà, quelque chose que j'ai découvert là-bas, qui est assez peu répandu ici en France, et que j'ai trouvé vraiment très pertinent, c'est le carport. Alors le carport, peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais entendu ce mot. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un abri pour les voitures. Donc c'est constitué de quelques poteaux et d'une toiture, et généralement c'est une structure assez légère. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant parce que ça répond à toutes les problématiques principales d'un garage. Et c'est une très bonne alternative. Donc les problématiques, ben, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de s'abriter de la pluie. Voilà, quand on rentre chez soi, ben, on aime bien sortir de sa voiture et aller dans la maison sans se mouiller. L'hiver, c'est d'abriter la voiture du givre et de la neige et de pouvoir partir le matin assez rapidement. Et l'été, ben, comme bien souvent il y a de la grêle, ben, on sait qu'on est plus tranquille quand la voiture est à l'abri. Donc le carport répond à tout ça, et puis il y a plein de bonnes raisons d'utiliser ce système, et donc je vais vous expliquer les 6 bonnes raisons que j'ai identifiées pour opter plutôt pour un carport que pour un garage. La première bonne raison, elle est économique, c'est-à-dire que un carport c'est beaucoup moins cher qu'un garage. En fait, on peut facilement diviser le prix par 2, ça peut même être en dessous, tout simplement parce que on ne va pas avoir de mur, on ne va pas avoir de dalles, c'est simplement quelques poteaux qui vont soutenir la toiture. Donc on peut s'en tirer avec des budgets bien moindres par rapport à un garage. Voilà. Après, suivant les besoins que vous avez, vous pourrez choisir d'y associer ou pas un petit local en plus qui serait fermé pour mettre le vélo, les outils de jardin. Voilà, mais là, juste sur la partie voiture, un abri peut très bien faire l'affaire et économiquement, on gagnera beaucoup. La deuxième bonne raison, elle est esthétique, c'est-à-dire que moi, je trouve qu'un carport, d'un point de vue esthétique, ça amène un plus à la maison, parce qu'au lieu d'avoir un volume unique traité de la même façon, ben, on va avoir le volume de la maison qu'on essaiera de faire assez compact pour des raisons d'efficacité énergétique. Et puis ben, on va agrémenter ce volume là par tout ce qu'il y aura autour, et le carport en fait partie, et on va justement jouer sur le contraste entre un volume clos et compact et un petit volume un peu plus aérien, un peu plus dans la légèreté, la transparence. Donc je trouve que esthétiquement c'est plutôt intéressant. La troisième bonne raison, c'est la principale, c'est vraiment pour ça que j'en parle presque systématiquement à mes clients, bah c'est pour la santé. En fait, quand on fait un garage, bien souvent, on veut aussi une porte d'accès direct entre le garage et la maison. Et le problème que ça pose, bah, c'est que chaque fois qu'on va ouvrir la porte, tous les gaz d'échappement vont s'engouffrer dans la maison. Et donc, dedans, il y a notamment du monoxyde de carbone qui est nocif. Donc vraiment, c'est à proscrire. Avec le carport, par contre, aucun souci, puisqu'il est à l'air libre. On peut avoir une liaison depuis le carport vers la maison. Ça ne posera pas ce problème de gaz qui iront dans la maison. Quatrième bonne raison, elle est écologique. Alors là, je dirais, quel que soit le matériau qu'on utilise pour faire son carport, par principe, on utilise moins de matière. Donc moins de matière, ça veut dire moins de production, moins de transformation, moins de transport et moins de recyclage en fin de vie. Et donc tout ça mis bout à bout, ben, ça veut dire tout simplement moins de CO2 dans l'atmosphère. Après, on peut aussi aller plus loin. Un carport, ça se fait très facilement avec du bois local. Voilà, donc d'un point de vue écologique, c'est assez favorable. Cinquième bonne raison, donc là c'est plutôt pour les petits budgets. Le fait de faire un carport, ça permet éventuellement de différer sa construction un peu plus tard dans le temps, si jamais le budget ne permet pas de tout faire d'un coup. Et donc ça permet de vraiment se concentrer sur l'habitation, parce que c'est finalement là le cœur de votre projet. C'est là où c'est important de mettre des matériaux sains et de qualité. Donc voilà, ça peut éventuellement permettre ça, du fait que le carport, architecturalement et techniquement, il est assez distinct du reste de la maison, donc ça peut très bien se faire plus tard dans le temps quand vous avez à nouveau refait des provisions dans vos finances.
Et enfin, la sixième bonne raison, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, mais c'est au niveau des taxes. En fait, un garage est soumis à la taxe d'aménagement. C'est une taxe qui vous est demandée après avoir obtenu votre permis de construire. Et elle est proportionnelle au nombre de mètres carrés que vous avez construit, que ce soit des mètres carrés habitables ou mètres carrés de garage. Et pour un carport, en fait, cette taxe, il n'y a pas lieu d'être puisque ce n'est pas un espace fermé. Vous serez simplement soumis à la taxe des places de stationnement au même titre que vos places extérieures qui seraient dans la cour. C'est de l'ordre d'une centaine d'euros par place. Alors que sur un garage fermé, la taxe d'aménagement représentera facilement entre 1000 et 2000 euros pour un garage moyen. Donc vous ferez quand même de belles économies de ce point de vue. Donc voilà pour les 6 bonnes raisons de construire un carport plutôt qu'un garage. Et nous, les architectes, on adore ces solutions qui répondent simultanément à plusieurs problématiques. Et le carport, c'est un très bon exemple de ça, puisqu'on va répondre à la fois à une problématique économique, une problématique esthétique, une problématique écologique et enfin sanitaire. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao !